Elle se prépare actuellement pour les Jeux Olympiques. Noëlly Yarigo, championne du Bénin dans les 800 mètres dames, ne cesse d'allumer sa flamme dans le monde du sport. À 30 ans, elle a pulvérisé le record national du Bénin en salle et occupe la 11e place des 800 mètres indoor sur le plan international. On voit surtout Yarigo qui fait une super finish, une répartition de course parfaite, elle riposte, elle a accéléré. Née le 25 décembre 1985 à Natitengo, Noëlly Yarigo est issue d'une famille monogame. Elle a 5 frères et 4 sœurs, originaires de Materi. Elle est passionnée de la course depuis son enfance et s'est donnée très tôt à la discipline. Allez, allez, allez! Vélo, vélo, vélo! Tout rouge, tout rouge! J'ai commencé l'athlétisme depuis que je faisais le cours primaire. Et ensuite, je suis venue dans le Boigu, précisément à Parakou, pour mes études pour le cours secondaire. Donc, c'est là que j'ai fait la connaissance d'une ancienne coureuse de 800 mètres nommée Agwangla Balbine, qui m'a recrutée dans son club, les Guépards. Donc, c'est là que j'ai intégré l'équipe nationale en 2002. J'ai été championne du Bénin, j'ai battu le record du Bénin du 800 mètres et de la sous-région. Actuellement, je détiens le record du Bénin de 2002 jusqu'à aujourd'hui. J'ai rebattu ce même record au championnat d'Afrique à Porto-Novo en 2012. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Claude, puisque après Parakou, j'avais intégré l'armée. Donc après ça, je n'avais plus de coach, je m'entraînais toute seule. Donc quand Claude Guillaume a ouvert son centre d'entraînement à Cotonou, il m'a proposé de m'entraîner. J'ai dit pourquoi pas, puisque moi je voulais ressembler à d'autres athlètes, je voulais progresser. Noëlly a des qualités extraordinaires. C'est peut-être regrettable qu'elle n'ait pas commencé plus tôt l'entraînement, d'une manière professionnelle. Mais bon, il ne faut jamais avoir de regrets, ce qui est passé, et il faut toujours regarder devant, avoir le positif devant soi. Et je pense que Noëlly a encore une grande marge de progression. Avec Claude Guillaume, promoteur du centre d'entraînement de Cotonou, Noëlly Yarigo fait actuellement le tour du monde, et avec son record de 2,0051, elle est classée au haut niveau du tableau des 800 mètres dames. Elle est dans son monde. C'est une dame qui ne se décourage pas. Elle travaille fort pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vous savez, c'est une Amazone. Elle est en train d'aller à un niveau où beaucoup d'athlètes béninois ne sont pas allés. Autrement, c'est une athlète qui est entière et qui est très motivée, très concentrée sur ce qu'elle fait. La soldate des forces armées aériennes béninoises est détachée depuis 2013 pour concrétiser son rêve, aller aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Aujourd'hui, Noëlly Yarigo représente la fierté de toute une nation. Malgré son niveau, elle envisage aller plus loin dans sa carrière. C'est une personne qui s'investit également au service de la pépite de l'athlétisme béninois. Et grâce à son projet, les foulées de la Pandjari, Noëlly recense des jeunes dévoués à faire de l'athlétisme leur métier, comme elle d'ailleurs.